Qui veut manger le riz, là? Non, malheur, malheur, monseigneur! Il est empoisonné, ce riz! Mais non, il est pas empoisonné, abruti, c'est le cadeau de Denis. Ouais, le lutin, il commence vraiment à me casser les couilles. S'il continue, moi je vais l'abattre. Stéphane, c'est un petit lutin parano qui croit que le riz de Denis, il est empoisonné, hein? Monseigneur, il est riche, monseigneur! Je m'en branle! Oh, c'est pas que je n'aime pas Stéphane, mais sur le camp, il fait pas grand chose. C'est bon! Ce n'est pas que je n'aime pas Stéphane, mais je fais à peu près 3 fois sa taille. Donc je pourrais malencontreusement marcher dessus. Mangez donc, c'est un cadeau de Dieu! Non mais écoutez-moi cet abruti. Oh putain les gars, franchement l'eau elle est pas chaude hein. Ça doit faire maximum, je dirais 30 degrés. 30 degrés maximum. Putain, la vache. D'après le théorème du soleil, l'eau fait actuellement 27 degrés. Putain, toujours à la ramener, lui. Il est chiant, ce mec. Fais chier. T'es chiante. Toi aussi, t'es chiante. Oh, t'es conne. Désolé, je me suis un peu emporté, mais il est chiant, ce lutin. Ce n'est pas de ma faute, hein. Ouais, donc quand je suis rentré dans l'eau, bah y a eu le lutin qui a commencé à me parler, du coup ça a fait monter la température comme on dit, et puis Laurent il est un peu parti en couille. Ouais, donc c'est plus possible ça les gars, on est une équipe, donc on reste soudés, on arrête de s'insulter entre nous, bande de connards. Depuis le discours de l'eau, c'est vrai qu'il y a comme une spirale négative sur le camp, je dirais même un été lugubre, je ne sais pas vraiment ce que je raconte. Non mais t'as vu la gueule c'est du une lutin. Erreur de la nature. J'adore rire avec toi. Et je te téterai le sein comme mon fils. Quand il m'a dit qu'il allait téter mon sein, j'étais mal, oui. Viens voir papa dans la savane. Je ne suis pas votre fils, monsieur. Ça va pas être long, t'inquiète pas, je vais juste lécher les tétons. Oh mon Dieu!